Un soir, alors qu'ils sont dans l'appartement de la jeune femme, les voix intérieures du meurtrier résonnent à nouveau et lui ordonnent de la tuer. Je me souviens avoir coincé ses bras entre mes jambes et elle ne pouvait plus bouger. Elle était nue et je l'ai étranglée. C'est comme si dans ma tête quelque chose s'était éteint, un blackout. Je me rendais compte de rien et je l'ai étranglée. Et je me souviens m'être dit, c'est vraiment trop long de tuer à main nue. J'ai commencé à l'étrangler avec mes mains, mais après j'ai pris une corde, je lui ai serré autour du cou et c'était plus efficace. Adrienne Berger s'écroule, morte. Robert Spalski a obéi à ses voix et vient de faire une deuxième victime.